On se dit, ça y est, c'est la saison olympique, on se prépare pour les Jeux. On se dit que bah, il va pas falloir s'endormir et vraiment faire tous les entraînements à 100% pour être au meilleur niveau au jeu. T'entends qu'il y a les Jeux, t'es repris dans le groupe, tu travailles comme un fou, quoi. Ça te surmotive. Que ce soit année olympique ou non, je m'entraîne à fond. Mon objectif, c'est de progresser en tant que skieur et pas juste d'aller viser une médaille olympique. Cette année-là, j'ai envie de la vivre à fond et de la vivre sans regret, parce que j'ai que des regrets au jeu. Moi, je suis quelqu'un qui arrive plutôt pas mal à gérer la pression et à être présent le jour J pour un gros événement. Et j'y pense à chaque fois que je m'entraîne, à chaque fois que je suis en préparation physique ou que je suis sur les skis, je pense à ce que je dois faire au mieux pour être le meilleur. Moi, je suis trop happy. Ça fait trop longtemps que j'ai pas skié. C'est difficile, ouais, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On va devoir être à bloc tout le temps. Et juste une petite phase de relâchement pourrait tout nous faire perdre. Donc oui, forcément que j'ai envie d'y être. Je suis impatient, je suis comme un gosse, mais je suis aussi conscient qu'il y a un cheminement pour aller jusqu'à cet objectif. Et je suis pressé sans trop être pressé. Il y a pas mal de choses à travailler avec précision pour qu'on soit vraiment prêt.